Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio De Vie. Il est 20h50 heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio De Vie. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous avons choisi de changer de plateau. Il y a beaucoup de choses qui changent au sein de TV de Vie. Beaucoup de choses qui changent et qui changeront au nom de Yeshua. Nous voulons vraiment bénir notre Dieu, bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Père, nous bénissons ton nom pour l'œuvre. À laquelle tu nous as appelé. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tous, toutes les personnes qui sont debout dans la prière pour défendre la sainte doctrine, pour défendre la vérité. Père, au nom de Yeshua, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, Seigneur, qui nous a affranchis, qui nous a guéris, délivré. Toute la gloire te revient, Yeshua, notre maître. Amen. Voilà. Vous avez vu euh, tout à l'heure la vidéo de la livraison de 923 BGC. Et euh, ça nous a coûté à peu près 24 000 euros, 25, 24, 24 20, entre 24 et 25 000 euros. Merci Seigneur pour euh, vos prières, pour vos dons. Et euh, voilà, donc c'est une version qu'on a voulu euh, sortir pour euh, voilà pour euh, offrir toujours hein, gratuitement aux personnes qui et, euh, ont reçu aussi un appel pour euh, servir le Seigneur et qui vont en prendre vraiment soin. Et euh, voilà. Donc, euh, et euh, voilà que le Saint soit béni. Et donc, c'est euh, la prochaine étape, bien sûr, c'est le format économique et euh, que nous allons commander rapidement au moins 10 000 exemplaires de format économique pour pouvoir bien sûr euh, distribuer facilement. Et euh, vous aurez également l'occasion de venir ici même à Evry pour récupérer. Euh, quelques exemplaires de ce format économique que nous allons euh, commander sous peu afin de euh, n'est- ce pas euh, le distribuer aux gens de vos familles également aux inconvertis aux gens qui n'est ce pas euh, qui vous allez euh, témoigner à qui vous allez témoigner l'évangile voilà donc euh, et euh, hier on a suivi l'émission donc euh, l'émission qui avait été faite l'exposition de cet homme et euh, vous avez pu voir que nous n'avons pas voulu tout de suite, euh, on ne veut pas, comment dire, euh, sur TV de vie, nous voulons mettre l'accent sur l'enseignement, comme vous le savez. Donc on ne veut pas trop s'attarder sur les, les impies, sur euh, la dénonciation. Nous voulons vraiment proclamer Yeshua, notre Maître, car il est en train de revenir. Nous voulons, frères et sœurs, nous focaliser sur l'essentiel. Bien sûr, si les impies se justifient, si les impies osent... Euh, S'attaquer aux enfants du Seigneur. Nous allons sortir tous les dossiers pour pouvoir davantage les exposer. Mais nous voulons vraiment nous rester, nous focaliser pardon. Nous voulons nous focaliser sur l'essentiel. Voilà. Nous voulons vous rappeler que euh, les Écritures nous disent que Christ est au milieu. Christ doit être au centre. Nous voulons vraiment euh, nous focaliser sur la croix. Voilà. L'Évangile auquel le Seigneur nous a appelés Et euh, nous sommes, euh, mes amis, arrivés à un temps critique. Vous voyez bien ce qui se passe dans le monde. Vous voyez bien que le monde va mal et euh, de plus en plus des, des personnes même des inconvertis se posent des questions euh, par rapport aux événements que connaît euh, que rencontre euh, n'est-ce pas le monde que connaît notre monde notre n'est-ce pas nos nations nos pays et, euh, tels que les famines les guerres et euh, les attentats tout ça et, et, et les fusillades et il ne se passe pas un jour euh, sans qu'il y ait des tueries, il ne, pas, des tueries, il ne se pense pas, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des des problèmes dans le monde. Même l'Afrique qui était épargnée jusqu'à ce jour par et euh, qui était épargnée bien sûr par rapport aux attentats, on voit bien qu'elle est frappée de plein fouet. Et euh, alors tout ça, nous, toutes ces choses nous confirment que le Seigneur est en train de revenir. Et euh, nous sommes vraiment, mes amis, euh, et euh, dans un temps, nous sommes arrivés à un temps où il faut vraiment, vraiment se focaliser sur notre maître, et, euh, car il n'est pas loin. Yeshua est en train de revenir, frères et sœurs, et nous voulons euh, bien sûr sonner euh, la trompette haut et fort. Voilà. Alors, nous sommes euh, dans Matthieu 24. Donc, je voulais euh, partager un message, mais Dieu me conduit autrement. Donc, on va rapidement prendre Matthieu 24. Alors, je demanderai rapidement aux frères de venir nous aider par rapport à la lecture, parce qu'on va montrer également les écritures que nous allons lire. Hein, donc, aux frères et sœurs, Matthieu chapitre 24. Donc, il y a la Bible qui est à côté. Bien sûr, si on peut nous trouver le passage en question. Et euh, voilà, Matthieu chapitre 24. On lira à partir du verset premier. Voilà. Matthieu chapitre 24. Parfait. Alors, on va commencer la lecture. Il y a, je méditais, je lisais la dernière fois ce passage, et un verset qui m'a touché. Et j'aimerais vous le partager. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit Voyez-vous bien toutes ces choses je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. C'est vrai que dans la version que vous aviez précédemment, donc il est écrit de la euh, euh, de la fin du monde. En fait. Euh, et euh, il est aussi question de l'achèvement, hein, donc littéralement de l'achèvement de l'âge. C'est comme si euh, l'âge ou le monde ou euh, le siècle euh, se déroulait comme s'il y avait, c'était un rouleau qui devait, n'est-ce pas, qui était déroulé et euh, du début à la fin. Voilà. Donc il est question en fait du déroulement des événements qui euh, qui doivent arriver, des événements qui concernent bien sûr. Euh, et euh, la fin de temps qui concerne le retour du Seigneur. Et euh, donc les apôtres étaient assez préoccupés hein, quand même par euh, euh, l'achèvement de l'âge, donc l'âge dans lequel nous sommes. Il est question ici de l'âge, euh, euh, comment dire, euh, euh, humain, c'est-à-dire de la chute d'Adam au retour visible de Yeshua. C'est ça, cet âge-là. Donc euh, de la chute d'Adam au retour de Yeshua il est question de l'âge qui est soumis au péché qui est soumis euh, aux, aux problèmes, aux maladies euh, de l'âge qui est soumis euh, aux guerres, aux tribulations. et les apôtres, bien sûr, étaient comme vous et moi ce, ce soir et euh, étaient fatigués, étaient euh, ils avaient hâte, n'est-ce pas, de passer de l'âge euh, du péché à l'âge du royaume, n'est-ce pas, le royaume messianique? Et euh, la parole nous dit au verset 4 Jésus répondant leur dit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant je suis le Christ et ils en séduiront et ils en séduiront plusieurs vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que toutes ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin car une nation s'élèvera contre une nation une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et de, de, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront aux tribunaux, hein, aux tribulations et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Et il se levera plusieurs faux prophètes qui en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et alors viendra la fin. Et on continue la lecture. Et euh, le Seigneur dit au verset 30, donc euh, et euh, on peut même et euh, lire à partir du verset 29, « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30, alors le signe, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Alors, les apôtres demandaient au Seigneur le signe de son avènement et de l'achèvement de l'âge. Et le Seigneur leur parle de guerre, il leur parle de euh, l'émergence de l'Église apostate, c'est-à-dire des faux prophètes, on en a parlé hier, des faux pasteurs, des faux chrétiens qui se déguisent en ministres, en serviteurs de la, la lumière, alors qu'ils sont faux. Le Seigneur annonce l'émergence, n'est-ce pas, des euh, faux ouvriers. Il dit également qu'il va y avoir des scandales, comme on a pu euh, le voir hier, il y en aura encore d'autres. Certainement ici et là, dans d'autres euh, pays, dans d'autres villes. Et il dit euh, que des gens vont se haïr les uns les autres. Et on voit que la terre actuellement est secouée. Il y a une haine qui monte dans les cœurs des uns des autres, euh, des nations, une nation contre une autre, et un royaume contre un royaume. On, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a suivi les informations. Vous avez, vous avez vu qu'il y a une, euh, 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 une espèce. Euh, il y, 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 y a un antagonisme entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc il y a vraiment cette guerre qui se prépare carrément euh, entre ces deux nations. On voit également ce qui se passe. Aujourd'hui, les nations livrent une bataille contre, euh, n'est-ce pas, euh, des na les nations, euh, pratiquement toutes les nations, enfin, la plupart sont unies pour livrer la guerre à, à cette euh, organisation terroriste. Donc, on voit que et, euh, nous sommes vraiment, les, les nations sont sur une poudrière. Et on voit la tension qu'il y a entre l'Union, euh, euh, comment dire, entre les États-Unis et euh, la Russie au point où euh, Poutine, euh, président, euh, le président russe, a dit officiellement que les États-Unis étaient une menace pour la Russie. Donc on voit que les, les, les mots sont de plus en plus durs, les paroles, les propos sont de plus en plus, n'est-ce pas, euh, durs, et, euh, et, et on sent que euh, ça va exploser. On sent que, euh, mes amis, euh, ça va, il va y avoir, euh, bien sûr, euh, ces troubles dont il est question dans les Écritures. Et d'ailleurs, de plus en plus, on voit, n'est-ce pas, l'amplification de ces conflits et dans les nations. Le Seigneur avait prédit, bien sûr, ces choses-là. Et euh, il a parlé, justement, des temps de, 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 le, du temps des tribulations. Donc, euh, il y aura plusieurs tribulations. Il y, a, il y a la grande tribulation, mais il y a aussi des tribulations. Et... Euh, et euh, c'est terrible. Et on voit d'ailleurs au verset 15, le Seigneur dit, et quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Donc le Seigneur interpelle justement les chrétiens. Il nous invite à la lecture de, des écrits prophétiques. C'est pour cela, frères et sœurs, bien si nous dénonçons le mal, nous dénonçons les faux prophètes, nous ne voulons pas nous focaliser sur eux. Ils ne méritent pas que l'on se focalise sur eux. Comme je vous l'ai souvent dit, mes amis, nous, ne, nous dénonçons les ministères du canapé. C'est-à-dire des gens qui sont assis chez eux et qui tirent sur tout, tout ce qui bouge et qui ne font pas l'œuvre. C'est des gens qui viennent pour distraire, euh, pour amuser la galerie. Et nous ne voulons pas, bien sûr, leur ressembler. Nous voulons nous focaliser sur l'essentiel. Yeshua revient. Nous devons nous préparer pour les noces. Et, euh, et le Seigneur nous dit qu'il faut lire. En, en gros, le prophète, il invite les apôtres à lire. Les écrits prophétiques pour avoir le discernement sur l'heure de son retour, sur le moment de son retour. Et contrairement à ces gens qui font des séminaires ou des, 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 des prophéties, des prédictions euh, annonçant, euh, euh, n'est-ce pas, donnant des dates précises sur le retour euh, du Seigneur, et d'ailleurs, à chaque fois, ils se trompent. Hein. Donc, euh, ils se sont trompés dans le passé, ils se trompent aujourd'hui et ils se tromperont demain. Et euh, le Seigneur nous invite à lire. Il dit euh, que celui qui lit le prophète Daniel fasse attention. Donc le Seigneur nous, a mont nous montre que Daniel avait reçu les clés concernant euh, la compréhension et euh, le discernement du temps de la fin sur, n pas, sur le retour du Seigneur. Et, euh, et le Seigneur dit et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Et que Si le jour de la grande tribulation tombait un jour de sabbat, étant donné que la plupart des Juifs aujourd'hui préfèrent suivre Moïse que Yeshua, ils n'ont pas reconnu le Messie Yeshua, donc ils n'allaient pas, bien sûr, se sauver, ils n'allaient pas courir. Donc il fallait que ce jour, il fallait qu'il prie pour que ce jour ne vienne pas, ne tombe pas un jour de sabbat, le jour de la grande tribulation. Et le Seigneur nous donne au verset 30, comme je vous l'ai dit, un signe majeur. Il nous dit... Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et les apôtres voulaient connaître le signe de son retour. Et le Seigneur dit qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des troubles. On le voit depuis des années, depuis longtemps. Il dit qu'il va y avoir, n'est-ce pas, dans le lieu saint euh, l'établissement de l'abomination de la désolation dont Daniel a parlé. Daniel, le prophète. Le temple était souillé, n'est-ce pas, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, par Antiochus épiphane qui avait sacrifié dans le temple, dans le sein de saint, un porc. Ce roi, euh, comment dire, euh, gréco-macédonien, avait établi euh, dans le sein de saint, n'est-ce pas, un culte euh, euh, démoniaque. Et le Seigneur nous dit que ces choses-là vont se répéter et on le voit. Dans nos églises d'aujourd'hui, frères et sœurs, pour votre information, il a qu'à voir. Aussi bien dans les églises que sur les sites, sur les incrétiens. On voit bien que c'est la distraction sur beaucoup de sites. L'évangile n'est pas annoncé. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de, 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 de baptême. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, on ne voit pas les actes des apôtres, tout simplement. Et on voit autre chose. Donc, on voit que, aussi bien dans les églises que sur ces sites Internet, parce que, on ne va pas seulement parler d'églises paganisées. On, peut, on parle aussi aujourd'hui des sites Internet dits chrétiens, soi-disant, mais paganisés. Où il n'y a plus, euh, il n'y a pas l'enseignement sur le ciel. Le Seigneur dit alors le signe, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et ça, c'est terrible. Regardez bien, Matthieu 24. On va relire encore Matthieu 24. Le verset euh, juste et euh, le verset 3. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent Dis-nous. Quand ces choses arriveront-elles? Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Quel sera le signe? Il y a un seul signe. Guerre, les guerres, les famines, tout ça, ce sont, mes amis, les douleurs de l'enfantement. Mais ce n'est pas le signe. Et le Seigneur dit que, au verset 30, il dit, ce signe-là, justement, paraîtra dans le ciel. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc le signe que les apôtres voulaient avoir, bien sûr, le temple sera souillé, tout ça. On le voit aujourd'hui, mes amis. Oui, ce sont les douleurs de l'enfantement. Mais il nous dit que le signe en question paraîtra au ciel. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur voulait, euh, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il dit, toutes les nations, toutes les tribus se lamenteront hein, en se frappant la poitrine et verront. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Donc, le Seigneur nous invite à avoir nos yeux fixés sur le ciel. Pas le ciel, je ne parle pas de ceux qui nous demandent d'aller observer les astres, hein, hein, la lune qui va devenir rouge, tout ça, comme on a pu voir euh, l'année dernière, hein, ces prédictions qui ne se sont pas bien sûr réalisées. Il nous invite à avoir le regard fixé sur le ciel, mais pas le ciel, mes amis, euh, atmosphérique et encore moins le ciel astral, l'espace, où il y a des astres, où il y a des planètes, où il y a des galaxies. Il nous invite à avoir le regard fixé sur le troisième ciel, c'est-à-dire le trône de Dieu, le royaume de Dieu. D'ailleurs, il a dit au verset 14, cet évangile du royaume, disait-il, sera prêché dans le, dans le monde entier ou dans toute la terre habitée. C'est alors que viendra la fin, parce que voilà. Le signe ici, c'est le ciel. Le ciel, c'est le trône de Dieu. On va le voir dans Esaïe, chapitre, mes amis, 66. Ésaïe chapitre 66. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au ciel, justement? Parce que le Seigneur dit que le signe en question paraîtra au ciel. Il n'a pas dit qu'il va paraître à Évry pour que vous ayez les yeux fixés ici. Il n'a pas dit que le signe va paraître chez Shora, pour que vous ayez les yeux fixés sur moi ou sur un quelconque pasteur ou un site internet. Non. Il nous invite à lever les yeux, à regarder le ciel, le ciel où il y a le trône de Dieu, où Dieu règne. Alléluia, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Yahweh nous dit Yahweh, dans Ésaïe chapitre 66, verset 1er, donc l'équipe va nous montrer cela. Ainsi parle Yahweh. Le ciel est mon trône. Et la terre est le marchepied de mes pieds. Waouh! Et il dit Quelle maison me bâtirez-vous Et quel serait le lieu, le, le lieu de mon repos Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur existence, dit Yahweh. Waouh! Le Seigneur dit que le ciel est son trône. Et quand on parle du trône, on parle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua a dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Chrétien, vous voulez le signe par rapport au tour du Seigneur Vous voulez vous préparer pour l'enlèvement Eh bien, n'écoutez pas. Ne suivez plus les, plus les gens qui vous distraient. Ne suivez plus, n'écoutez plus les gens qui vous, passent, qui vous passent votre temps, qui vous gaspillent votre temps pour rien. Vous n'avez pas besoin de leur site internet pour avoir le discernement sur les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Vous avez besoin de, fo focaliser, de vous focaliser sur le Seigneur qui est au ciel, sur son royaume céleste, pour que vous ayez le discernement sur les uns et les autres. Voilà. Vous n'avez pas besoin de perdre six heures pour écouter les niaiseries, six heures pour écouter quelqu'un vous raconter des histoires. On n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Prêchez-nous le ciel, parlez-nous de la nouvelle Jérusalem, parlez-nous de notre demeure définitive, parlez-nous de notre, n'est-ce pas, de notre roi. Et Yeshua dit cet évangile du royaume, il y a un royaume qui doit s'installer sur terre. Rappelez-vous bien que la préoccupation des apôtres, c'était la restauration d'Israël. Dans acte 1, ils ont posé la question au Seigneur après sa résurrection Seigneur, disait-il, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'était leur préoccupation. Et ça doit être notre préoccupation à nous. Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir, n'est-ce pas, le, le royaume millénaire? Quand est-ce que tu vas rétablir ton gouvernement théocratique sur terre? Ça doit être la préoccupation de chaque enfant de Dieu. Voyez? Et le Seigneur dit que son signe va paraître au ciel. Et Dieu dit, le ciel est son trône. Et le trône de Dieu égale son royaume. Et son royaume, c'est ce que nous devons annoncer. Ce, ce royaume, c'est ce que Paul a annoncé. C'est ce que Jacques a prêché. C'est ce que Pierre a prêché. C'est ce que les apôtres ont prêché. Et nous devons présenter au monde le royaume de Dieu. Pourquoi Parce que les royaumes de ce monde sont totalement euh, secoués par les attentats, par les crises économiques par les crises politiques, par les maladies incurables, par toutes sortes de troubles, frères et sœurs. Et beaucoup de gens sont inquiets par rapport à leur lendemain. Je voudrais vous dire, à vous qui me suivez ce soir ou demain sur euh, Facebook, sur euh, les réseaux sociaux, je voudrais vous dire, vous qui ne croyez pas en Dieu, je voudrais vous dire que Dieu existe. Je voudrais vous dire que, euh, à vous qui faites de la politique, à vous qui êtes député, à vous qui êtes sénateur, à vous qui êtes président, à vous qui êtes gendarme, policier, je voudrais vous dire qu'il y a un royaume qui est au-dessus de votre royaume. Je voudrais vous dire que ce royaume-là est inébranlable. Ce royaume-là est un royaume... Euh, euh, qui, n'est-ce pas, n'a pas été créé par l'homme. C'est un royaume, un royaume qui est au-dessus de toutes sortes de royaumes, de toutes sortes de principautés. Et bien sûr, ce royaume, n'est-ce pas, s'établit dans les cœurs des uns et des autres, dans les cœurs de ceux et celles qui l'ont désiré, c'est-à-dire des hommes et des femmes issus des nations qui ont, n'est-ce pas, reconnu en Yeshua en Jésus-Christ, leur maître, leur seigneur, leur Dieu. Et c'est ce que les apôtres ont prêché. Rappelez-vous bien que l'Église est née sous le quatrième empire, la grande bête dont il est question dans Daniel 7, le royaume de fer, la Rome impériale. Rappelez-vous bien qu'à l'époque, César était considéré comme Dieu. Tous les Césars étaient comme, comme les pharaons, considérés comme des divinités et on devait les adorer on devait offrir de l'encens euh, euh, leur brûler de de l'encens pardon on devait brûler de l'encens en leur honneur on, il fallait également sacrifier à, à leur honneur et il fallait brûler de l'encens à leur honneur euh, sacrifier en à, à, à leur honneur et beaucoup de chrétiens de l'époque du premier siècle notamment refusaient de brûler de l'encens en l'honneur de césar refusaient de sacrifier en leur honneur et ils étaient persécutés. Pourquoi Parce qu'il prêchait un autre royaume. Parce qu'il prêchait un autre roi. Et Jésus-Christ, devant Pilate, ce dernier posera la question à Yeshua. Euh, euh, Es-tu roi Yeshua dira oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il dira. Donc l'Église véritable ne doit pas s'engager dans la politique. L'Église doit respecter les autorités. Les chrétiens authentiques doivent honorer les rois, les présidents. Les, les autorités, gendarmes, policiers, ils doivent être éduqués, corrects, responsables, mais ils ne doivent pas s'engager dans la politique parce que ce n'est pas notre mission. Vous voyez C'est quoi la politique C'est l'art de promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Voilà. C'est ça la politique humaine. Et <laughs> la politique, mes amis, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre appel. On peut donner des conseils, on peut prier pour eux comme par, la parole le dit. Mais on peut, ne on peut, on peut pas réaliser les, toutes les promesses, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on le voit. C'est l'art de parler correctement, c'est l'art oratoire. C'est la, la, le serment, c'est la, 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 du sophisme. Mais quand on promet euh, la diminution du chômage euh, à, à des millions de personnes, ben, c'est pratiquement impossible et tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que la conjoncture actuelle est telle que les nations connaissent une crise qui ne fera pas seulement un seul pays. C'est toutes les nations. Les écritures, les prophéties s'accomplissent. Voyez? Donc, la crise va s'accentuer pour permettre à ce que les nations reconnaissent que nos royaumes ont échoué. Que le royaume de Dieu, mes amis, doit s'installer, doit venir. Et Yeshua dit, ce signe-là, concernant son retour, paraîtra au ciel. C'est pour cela, chrétien, quelqu'un qui ne vous prêche pas le ciel, quelqu'un qui ne vous parle pas du ciel, quelqu'un qui ne vous enseigne pas sur la Nouvelle Jérusalem, quelqu'un qui ne vous prêche pas sur la royauté de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une personne que vous ne devez pas suivre ni écouter, c'est clair. Quelqu'un qui passe son temps à vous, à parler des autres, tel pasteur a fait ci, tel pasteur a fait ça, tel, il n'a que ça comme... Ça, c'est quel ministère, ça hum qui déforme, qui, qui fait des montages, ou quelqu'un qui, qui vous dit, moi, venez dans mon royaume qu'on appelle église évangélique, tout ça, ou église protestante, ou catholique, tout ça là, ça ce sont des royaumes humains, toutes ces dénominations, avec leur roi, avec leurs euh, ordres, avec leur organisation, tout ça là, ce sont des royaumes compl complètement humains, et nous avons besoin de notre royaume. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes, mes amis, on peut vous chasser d'une église locale, on peut vous chasser d'une dénomination, on ne vous chassera jamais du royaume de Dieu. Parce que nous sommes en permanence dans ce royaume. Et Yeshua a fait de nous selon la parole, selon Apocalypse 1, 6 à 8 et 5, 8 à 10, il a fait de tous les chrétiens des rois et des prêtres. Donc en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de chercher les gens qui vont vous imposer les mains. Non. Même pour vos enfants qui sont malades, vous pouvez vous-même prier pour eux. C'est ça le royaume de Dieu. Et Hébreu, hébreux, chapitre 12 nous dit quoi Hébreu chapitre 12. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole nous éclaire ta parole nous illumine. Au nom de Yeshua. Nous sommes dans Hébreu chapitre 12. Avec les anglais, on peut retrouver facilement les livres. Voilà ce que la parole nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux sur Jésus, qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, la parole nous demande hein, d'avoir de, les yeux focalisés sur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Parce que le signe paraîtrait du, au, au ciel, et le, le, le ciel est le trône de Dieu, et le trône, c'est son royaume, et Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, 13, là-bas, sur sa cuisse est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, un messager authentique doit vous présenter Jésus-Christ. C'est tout. On doit vous parler de Yeshua, on doit vous parler de sa royauté, qu'il est le roi des rois, qu'il revient. Et il a promis de restaurer euh, le monde, de restaurer la terre pendant mille ans. Et son gouvernement sera établi à Jérusalem. Donc, il va restaurer Jérusalem, il va restaurer Israël, il va restaurer, il va établir la théocratie. La parole est claire là-dessus. On nous dit que toutes les nations vont, n'est-ce pas, se lamenter. On nous dit que Israël va se convertir et, et, et les Juifs vont reconnaître leur Messie, n'est-ce pas Selon Zacharie 12, euh, Zacharie 10, Zacharie 12. On voit bien qu'on doit se préparer, on doit vous parler du royaume, frères et sœurs. Pourquoi Parce que nos royaumes sont en train de s'écrouler. Nos royaumes ont échoué. Le monde va mal. Il n'y a pas besoin qu'on vous le dise, vous le voyez vous-même. Le monde va mal. La solution, c'est le royaume à venir. Ce royaume est d'abord établi dans les cœurs des gens, des chrétiens. Le royaume n'est pas le ne consiste pas dans la nourriture dans, dans, dans le bois mais c'est la justice c'est l'intégrité c'est la sanctification la crainte de Dieu et c'est l'amour c'est la paix c'est la joie par le Saint-Esprit c'est la puissance qui amène les gens à reconnaître que Jésus-Christ c'est le, le le véritable Dieu. Voilà, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut parler depuis le ciel sur la terre, il est Dieu, on ne doit pas le limiter. Quand on regarde la nature, comment, il est, euh, comment la nature, est, elle, elle est, la nature elle est complexe, la création elle est complexe. Elle est, mes amis, parfois on voit l'univers, on se dit, mais il est, il est immense, immense, en perpétuelle expansion, selon les scientifiques. Donc on ne peut pas déjà quantifier, mes amis, la création. Et y a combien plus forte raison le créateur qui tient toutes choses dans sa main. Donc voyez, mes amis, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le seul et, et véritable sauveur, Seigneur. Un seul nom, Yeshua. Un seul Dieu, Jésus-Christ. Une seule lumière, Jésus-Christ. Une seule, un seul, la, la seule vérité, Yeshua. Oui, mais nous ne sommes pas là pour dire aux gens, et euh, mes amis, si vous ne croyez pas en Jésus, on va vous exposer. On va vous exploser. Si vous ne croyez pas en Jésus, on va poser des bombes. Ce n'est pas ça, Jésus. Jésus, sait le Seigneur ne force personne. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et. Mes amis, le royaume va venir. Donc, pour savoir quand est-ce que Yeshua va revenir, eh c'est simple, il faut avoir le regard, les yeux fixés sur Yeshua. Pourquoi si, tu es dans les, si vous êtes dans l'intimité avec lui, eh bien il vous parlera, il vous montrera, il vous ouvrira les yeux spirituels, il vous montrera tout ce qui se passe autour de vous, il vous révélera les secrets, les choses cachées, il vous montrera même l'état des uns et des autres qui sont vrais, qui ne sont pas vrais. Vous voyez, chrétiens, l'heure est grave. Le Seigneur a dit que beaucoup de faux prophètes allaient venir et on le voit. Comme on l'a dit hier à hein, l'émission, hier lundi, des faux prophètes qui ouvrent des pages YouTube, qui ouvrent des, pages, des sites Internet et qui mettent leur numéro privé afin que vous les appeliez. Vous savez, le but, c'est quoi C'est qu'ils veulent s'accaparer de vous. Ils veulent vous attirer à eux. Et ils ne vous amènent pas à vous focaliser au ciel, à vous focaliser sur le Seigneur, à vous focaliser sur le ciel, à vous, à, à vous attacher au Seigneur. Ils veulent vous attirer à eux. Comme Pierre le dit, ils amorcent par la convoitise. Hein. Donc ceux qui viennent à peine d'échapper euh, euh, à la convoitise au monde et ils veulent s'accaparer ces âmes-là. Donc il faut vraiment faire attention, mes amis. Vous avez compris. Un homme de Dieu authentique, un véritable messager, ne laisse jamais son numéro privé ni son adresse email sur Internet parce qu'il ne cherche pas à amener les gens vers, le, vers lui. Comme Jean-Baptiste, il disait "Voici l'agneau de Dieu et c'est lui qu'il faut suivre." Et les gens l'ont suivi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a dit Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète. Hein? Donc euh, je ne suis qu'une voix. Allez vers le Messie. Et ses disciples ont suivi Yeshua. Voilà. C'est ça les vrais messagers. Ils ne cherchent pas à attirer les gens vers eux. Ils amènent les gens à aller vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui révèle, c'est lui qui est le, le, la finalité. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Donc, pour savoir que quelqu'un, si quelqu'un est du Seigneur, ben Dieu vous montrera son état d'âme. Ne vous inquiétez pas, vous qui cherchez le Seigneur, priez, Dieu vous parlera. Et pour, pour le savoir aussi, il faut que la personne prêche l'évangile du royaume, vive l'évangile du royaume, parce que nous sommes des rois, nous sommes établis dans ce royaume, nous devons avoir les caractéristiques du royaume, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la sanctification, la détermination. Quelqu'un disait hier, oui, quand tu t'acharnes sur quelqu'un, quand il y a un problème, tu t'acharnes sur quelqu'un. Mais comment voulez-vous, mes amis, qu'on qu fasse Eh bien, on peut pas acclamer les faux. On ne peut pas acclamer les faux. Nous sommes dans un temps où il faut choisir ce que l'on veut. Quand on choisit la vérité, eh ben on est à fond dans la vérité. Quand on veut le mensonge, eh bien, on le mensonge. Eh ben nous, nous avons choisi la vérité. Eh bien, s'il faut s'acharner sur le sur le péché, sur les, les, euh, le, le mensonge, sur la fausseté, eh bien, on va le faire, dénoncer le mal, dénoncer tout ce qui se sert de la parole pour arnaquer les frères et sœurs. Voilà, que Dieu soit béni mes amis. Donc je voulais juste vous exhorter à, à persévérer, à avoir le regard, à hein, avoir le, les regards fixés sur le Seigneur, sur le ciel, car du ciel sortira le royaume glorieux. Et comme la parole le dit si bien, n'est-ce pas, dans Apocalypse 21, le dernier passage qu'on va lire, Apocalypse 21, Apocalypse chapitre 21, 21, merci Seigneur, Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, paraît comme une épouse qui s'est ornée pour son mari. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Voilà. Celui qui vaincra héritera toutes ces, toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est terrible. La Nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Voilà pourquoi nous devons avoir les regards fixés vers le ciel, pour ne pas tomber dans le péché facilement, pour ne pas, mes amis, suivre les faux prophètes, pour ne pas se laisser égarer, pour ne pas écouter les, 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 les mensonges de ces hommes et ces femmes qui veulent vous détourner de la vérité. Ayez le regard vers le ciel. Parce que c'est de là que le Maître reviendra. Pas au Vatican, pas à Lourdes, pas à Évry, pas, je ne sais pas, aux États-Unis, sur le Seigneur au ciel. Car c'est là que le signe viendra. En fait, le Seigneur disait, vous voulez un signe aux apôtres, vous voulez un signe, eh bien, levez les yeux au ciel. Vous voulez un signe, eh bien, focalisez votre regard sur mon royaume, et non sur vos royaumes à vous, non sur vos ministères, sur vos appels, mais sur mon royaume. Ah oui, frère, c'est pour cela que nous avons pris position pour la vérité. Que les gens nous critiquent, que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils nous fassent des menaces, ce n'est pas notre problème. Nous voulons nous focaliser sur le ciel et sur le ciel seulement. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Car notre royaume sortira de là, le tabernacle de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Voilà le message, de frères et sœurs. Donc voyez quelqu'un qui vous parle de la terre, donnez l'argent, vous serez bénis. Ça, ce n'est pas, pas ça le message. Voilà, un tel pasteur a fait ci, tel pasteur a fait ça. Il n'y a que ça comme message, il n'y a pas autre chose vous ne voyez pas qu'à un moment donné, ça devient, euh, c'est rouillé, ça devient un peu euh, du euh, de la répétition de, euh, voilà, de, de la routine. Voyez, c est, c est, tout ça, c'est vieux. C est, c est, on dénonce le mal, mais on passe, à, on passe à l'enseignement. On dénonce les, les, les faux, on enseigne la parole de Dieu. On amène les gens à avoir une relation avec le Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Bon courage, bonne continuation. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. En tout cas, merci pour vos prières, merci pour vos réactions, merci pour la position que vous avez prise pour la défense de la sainte doctrine. Merci pour la position que vous prenez des jeunes, des moins jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des femmes, des couples, tout ça qui ont pris position pour la vérité et qui ont dit nous ne voulons plus nous faire avoir, nous voulons, nous connaissons la parole, nous connaissons la vérité. Mais maintenant, nous voulons aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas pour la persécution. Ne vous inquiétez pas pour les dire des uns des autres. Avancez avec le Seigneur. On ne cherche pas à être applaudi, acclamé. Nous voulons plaire à Dieu. C'est tout ce qui nous intéresse. Que Dieu soit béni, mes amis. Que Dieu vous garde. Bonne continuation et que Dieu continue à faire son œuvre avec vous. À bientôt. Et avant juste de raccrocher, je voudrais vous dire que ce samedi nous sommes à Bruxelles. Hein? À Bruxelles, donc les informations sont sur le site de TV de Vie. Et euh, dimanche, euh, le, 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 sam le samedi euh, 6, euh, nous serons à, à, à Genève. Le dimanche 7, c'est vrai que c'est du marathon un peu là, le dimanche 7, nous serons à Tours, voilà, en France. Donc euh, à Genève, c'est le samedi 6. Donc on vous donnera toutes les informations bientôt, il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni pour les frères et de sœurs la, de, la, de la Suisse. Et tous les défenseurs, tous les défenseurs de la Sainte Doctrine, je vous invite personnellement à être debout dans la prière, car nous allons plus que jamais prendre position pour la Sainte Doctrine cette année encore. Jusqu'au retour du Machia. Prenez position pour la vérité. à Kinshasa, à Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux États-Unis, partout, partout, en, au Canada, en France, en Europe, en Belgique, en Allemagne, partout, en Angleterre, partout où vous êtes, en Suède, tout ça là, dans les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, tout ça là, partout, 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 Sénégal, partout où vous êtes, vous avez pris position pour la vérité. Et parce que vous avez pris position pour la vérité, nous sommes encouragés. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un peuple, un peuple debout, un peuple derrière, un peuple qui aime la vérité, un peuple qui aime le Seigneur, un peuple qui dit aux détracteurs, arrêtez vos mensonges, nous savons qui est qui et nous voulons aller jusqu'au bout. Le peuple a vu clair. Oui. Et je voudrais dire aux pasteurs qui aiment le Seigneur, aux prédicateurs qui aiment la vérité, aux apôtres qui aiment la parole, aux diacres, aux anciens, c'est le temps de prendre position pour la vérité. Yeshua revient. Même si vos pasteurs, vos amis pasteurs vous rejettent, acceptez de vous aligner sur la vérité. Acceptez d'observer le Seigneur parce que c'est l'éternité qui se trouve devant vous. Acceptez le rejet, comme Moïse qui avait accepté l'opprobre de Christ, le rejet, tout ça, la persécution, comme une richesse par rapport, n'est-ce pas, à l'or, au diamant de l'Égypte. Acceptez qu'on vous chasse de vos dénominations, de vos assemblées, de vos pastorales qui sont paganisées. Acceptez qu'on vous traite votre, votre nom, qu'on vous accorde, qu'on vous traite de tous les noms, qu'on vous attribue toutes sortes d'épithètes. Acceptez cela, ce n'est pas un problème. Acceptez cela. Parce que vous serez, vous serez euh, couronné par le Seigneur. Acceptez, n'est-ce pas, les outrages à cause du nom du Seigneur. Faites l'œuvre correctement. Dites la vérité au peuple pour que le peuple soit éclairé, libéré. Et envoyez les gens vers le Seigneur. Voilà notre mission. Yeshua revient défenseurs de la, de, de la doctrine, dokimos, euh, c'est-à-dire les défenseurs de la vérité, tous ensemble, main dans la main, debout, pour dire la vérité, pour annoncer au monde que Yeshua revient. Je ne sais pas, Benoît, si on a quelqu'un en ligne Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde, en tout cas, mes amis, et on sera au Togo, euh, à Brazzaville, euh, bien sûr, euh, au moins de... Euh, à partir du 10 euh, février et à partir du 1er, euh, comment dire... Euh, 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 mars, si Dieu permet, on fera au Togo. On a beaucoup bougé un peu euh, cette année pour crier, 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 que Yeshua revient. Que Dieu vous garde, mes amis. Ne vous inquiétez pas pour nous. Dieu nous fait grâce grâce à vos prières. À bientôt. Au revoir.